Ça commence à devenir lourd sur mon ordinateur ici. C'est pas très puissant comme ordinateur. Ok, avec la flèche noire, je vais ici sélectionner l'objet assiette et le dupliquer. Quelque chose qui pourrait aider, c'est d'enlever de l'affichage les autres flacons. Parce que là, on est mal. Donc le groupe ici, je vais l'enlever de l'affichage pour l'instant. Le groupe là aussi, voilà, il n'y a plus que l'assiette. Ça va peut-être aider. Un petit redémarrage de l'ordinateur serait peut-être utile. Il veut pas, c'est pas grave, on va le faire par copier-coller. Édition copier. Édition coller comme occurrence. De toute façon, c'est ça que je voulais faire. Ah, il m'a seulement pris ça. Pas bon ça. Édition copier. Édition coller comme occurrence. Voilà. Il y avait toujours la sélection de la baguette magique qui était sur une partie de l'objet, en fait. Édition, coller comme occurrence. Juste pour vous que vous vous souveniez comment ça fonctionne. À partir de là, si on change la matière sur n'importe lequel de ces trois objets, ça va les modifier sur les trois. Donc, baguette magique. Elle est en sélection très petite, ça pourrait fonctionner. Ok, qu'est-ce qui se passe si on met du gold à la place des paillettes? Personne commence à chanter un peu plus près des étoiles parce que j'ai dit qu'on allait mettre du gold. Vous êtes quand même gentils. Hein, tiens, métal géométrique, ça peut être bien aussi. Ouais. Donc, ça l'a modifié sur les trois. Voilà. Ça modifie sur les trois. Or poli. C'est de l'or qui n'est pas vulgaire, il est poli. Bon, sans avoir d'image derrière, c'est pas génial, en fait. Parce que la réflexion de l'or, on ne voit pas grand-chose. Donc ce serait peut-être bien d'aller ajouter une image d'arrière-plan quand même. Ça aurait été plus logique de prendre la table. Voilà. Ok. Ensuite, action adaptée à l'image. Oui, la table n'est pas géniale finalement. Je m'attendais à une table plus intéressante que celle-là. Souvenez-vous de l'éclairage, on peut ajouter des éclairages parce que des éclairages d'appoint en fait. Hein. Finalement, je vais aller chercher une table sur le web. Je suis pas content avec les images qui sont là. Essayons une image difficile.
Donc, là, il a fait correspondre la... l'angle de la caméra par rapport à l'image, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, quand vous voyez que l'image s'était un peu penchée, pris n'importe comment, mais les assiettes, on a l'impression qu'elles sont quand même dans le même plan que l'image. Donc là, avec la... la touche Shift, j'active les trois assiettes et je vais les bouger par rapport à la table. Voilà. Ok. Je vais voir si je peux les agrandir en prenant sur le gizmo le petit carré. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute un éclairage? Qu'est-ce qu'on a déjà comme éclairage là? Juste un éclairage directionnel. C'est ce qu'il a considéré comme étant correct par rapport à la photo, mais je peux quand même tenter. Non. Okay.